les membres, les architectes membres de l'ONA de la RDC, à la première présidente du Conseil d'État. Nous, architectes et membres de l'Ordre national des architectes, comme en sigle ONA, constatons avec regret la coexistence de deux conseils de l'Ordre des architectes existants, simultanément à la destinée de l'Ordre des architectes de la République démocratique du Congo. Pour votre gouverne, le désordre s'installe au sein de cette corporation des architectes tout juste après les élections organisées le 12 décembre 2020, lors desquelles il a fallu élire le nouveau comité directeur pour officier au chevet de l'Ordre des architectes pour un mandat de 3 ans renouvelable une fois. Ces derniers étant attachés des irrégularités d'après les revendications du comité sortant faisant une fraude massive lors de leur tenue, ce qui a été porté auprès du Conseil d'État pour trancher sur tous ces différends. Agence Fret Congo ya biso tout nouvelle version ya PDG Nico Zamilema et Yeli Soussoué. Tozali na fret aérien chaque semaine par avion tinda biloko na yo. Tozali na fret maritime par bateau chaque mois tinda biloko na yo. À partir ya Kinshasa okokipe ko tinda biloko na yo et ko koma malamu. Tozali na ville ya Düsseldorf na Allemagne. Agence Fret Congo ya bisoto ya PDG Nico Zamilema ayé avec force. Benga na numéro plus 49 160 59 85 120. To bandeli li soussou plus 49 160 59 85 120. Agence Fret Congo ya bisoto nouvelle version. Assurance, rapidité, paix, confiance.
à la première présidente du Conseil d'État. Nous, architectes et membres de l'Ordre national des architectes au Congo en sigle ONA, constatons avec regret la coexistence de deux conseils de l'Ordre des architectes existants, simultanément à la destinée de l'Ordre des architectes de la République démocratique du Congo. Pour votre gouverne, le désordre s'installer au sein de cette corporation des architectes tout juste après les élections organisées le 12 décembre 2020, lors desquelles il a fallu élire le nouveau comité directeur pour officier au chevet de l'Ordre des architectes pour un mandat de 3 ans renouvelable une fois. Ces derniers étant attachés des irrégularités d'après les revendications du comité sortant frisant une fraude massive lors de leur tenue, ce qui a été porté auprès du Conseil d'État pour trancher sur tous ces différends. La décision du Conseil n'a pas tardé pour proclamer l'annulation provisoire de ces élections, rendant d'office caduque les effets de dites élections en attendant le verdict final, confère leur décision contenue dans Erreur 198, page 4, article 2, dont l'extrait vous avez en annexe. Nonobstant la décision du Conseil d'État, les membres élus du nouveau comité sont partis organiser les choses de leur manière pour une gestion parallèle à celle qui devait être édictée par l'ancien comité qui est resté en vigueur faute d'une nouvelle élue à la tête de la corporation. Cela étant, le désordre ainsi installé a provoqué et occasionné non seulement un vide qui n'a pas facilité l'exercice de la profession vis-à-vis à la société, car les architectes ne sachant pas à quelle structure s'affilier, les deux en présence recevant et octroyant les titres aux architectes requérants. Mais encore l'absence d'un organe fiable répondant aux enjeux de leur facilitation de l'exercice du métier d'architecte et protéger ces derniers et surtout l'affaiblissement de l'ONA en tant qu'ordre, organe protecteur et guide de l'exercice de la profession. D'ailleurs, il s'est à rappeler à votre connaissance que le mandat légal qu'ils pouvaient brandir les uns et les autres est déjà tombé en destitution et depuis le 12 décembre 2023. Et à ce jour, ils naviguent dans un glissement de presque une année qui ne leur donne pas du tout la légitimité. Pour ce faire, nous demandons au Conseil d'État de trancher cette affaire qui dure il y a de cela plus de 3 ans et réclamons la tenue d'une assemblée générale extraordinaire qui statuera sur la tenue des nouvelles élections qui vont générer la nouvelle équipe qui pourra présider avec légitimité à la tête de l'Ordre national des architectes de la République démocratique du Congo, on a en sigle. Veuillez agréer Madame la première présidente du Conseil d'État. Je dis et je vous remercie.